Laissons-nous guider par Jésus-Christ à travers le désert. Déjeuner spirituel vous propose 40 jours de méditation et de prière pour bien vivre le carême. En ce temps de carême, pratiquons les 5 P suivants qui sont la prière, le partage, la pénitence, le pardon et la parole de Dieu. Thème du 34e jour dans le désert, rassemblés dans l'amour du Christ. Étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et ce n'était pas seulement pour la nation. C'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Jean chapitre 11, les versets 51 et 52. Introduction tirée du commentaire du pape François. C'est le chemin de Dieu, le chemin de l'humilité. C'est la route de Jésus, il n'y en a pas d'autre. Il n'existe pas d'humilité sans humiliation. En parcourant jusqu'au bout de cette route, le Fils de Dieu a assumé la condition de serviteur. En effet, humilité veut dire aussi service. Humilité veut dire laisser de la place à Dieu, se dépouillant de soi-même, se vidant, comme dit l'Écriture. Cela, se vider, est l'humiliation la plus grande. Extrait de l'homélie du pape François, 29 mars 2015. Grand-mère, mets-nous tout qui n'en désirent. Viens chercher nous, fais-nous traverser.
tout qui n'en désea. Viens chercher nous, fais-nous traverser. T'es à chaud, pieds en bouline, fais-nous traverser. Nous sans force, nous plate à terre, fais-nous traverser. Oh grand maître, mais nous toutes qui n'en désea, viens chercher nous, fais-nous traverser. Dans la boue, péché nous yeah, fais-nous traverser. Dans fait noir, la vie nous yeah, fais-nous traverser. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prière à l'Esprit-Saint. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au long de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Fais de nous chaque jour des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, l'esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au long de nos vies, révèle ta présence. Amen. Le chapelet des larmes et des douleurs de la Vierge Marie. Au cours de ce chapelet, nous allons penser à toutes les mères qui pleurent à cause de leurs enfants ou de leurs mauvais choix. Nous allons également penser à tous les malades, particulièrement ceux qui souffrent du COVID-19, ceux qui souffrent du cancer ou toutes sortes de douleurs. Nous allons penser également à notre chère patrie Haïti, qui connaissent des jours assez noirs, des moments assez difficiles. Nous allons penser à tous ceux qui pleurent, tous ceux qui sont dans le deuil, tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui connaissent des épreuves assez douloureuses dans leur vie. Offrons-les à Maman Marie dans ce chapelet. Demandons à Maman Marie d'intercéder pour chacun de nous. Marie, notre Dame des douleurs, intercède pour nous. Offrande du chapelet. Ô Vierge sans tache, Mère désolée et plongée dans un océan d'amertume et d'angoisse, je supplie très humblement votre cœur abattu et navré de douleur de m'obtenir de votre divin Fils la grâce de contempler les mystères douloureux qui sont proposés ici dans la Sainte Couronne et d'acquérir les faveurs promises à tous ceux qui s'appliquent dévotement à ce saint exercice. Sauveur crucifié, prosterné à vos pieds, je vous offre les larmes de celles qui, animées d'un amour ardent et compatissant, vous a accompagné sur votre si douloureux calvaire. Faites, ô bon maître, que je prenne à cœur les enseignements donnés par les larmes de votre très sainte mère et que j'accomplisse votre sainte volonté sur la terre et que je me rende digne de vous louer et vous bénir au ciel pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. Première douleur,
Les larmes versées par notre très sainte mère pendant la prophétie de Siméon. Jésus, regardez les larmes sanglantes de celle qui vous a aimé le plus sur la terre et vous aime le plus ardemment au ciel. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Deuxième douleur, les larmes versées par notre très sainte mère lors de son exil en Égypte. Jésus, regardez les larmes sanglantes de celle qui vous a aimé le plus sur la terre et vous aime le plus ardemment au ciel. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Troisième douleur, les larmes versées par notre très sainte mère lors de sa quête de Jésus. Jésus, regardez les larmes sanglantes de celle qui vous a aimé le plus sur la terre et vous aime le plus ardemment au ciel. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère, et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère
et du précieux sang. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Quatrième douleur, les larmes versées par notre très sainte mère lors du douloureux chemin de croix de Jésus. Jésus, regardez les larmes sanglantes de celle qui vous a aimé le plus sur la terre et vous aime le plus ardemment au ciel. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Cinquième douleur, les larmes versées par notre très sainte mère lors de l'agonie de Jésus sur la croix. Jésus, regardez les larmes sanglantes de celle qui vous a aimé le plus sur la terre et vous aime le plus ardemment au ciel. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Sixième douleur, les larmes versées par notre très sainte mère lorsque le corps de Jésus fut descendu de la croix et placé dans ses bras. Jésus, regardez les larmes sanglantes de celle qui vous a aimé le plus sur la terre
et vous aime le plus ardemment au ciel. Au nom des larmes et des douleurs de votre Sainte Mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre Sainte Mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre Sainte Mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre Sainte Mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre Sainte Mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre Sainte Mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre Sainte Mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre Sainte Mère et du précieux sang. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Septième douleur, les larmes versées par notre très sainte mère lorsque Jésus fut placé dans le Saint-Sépulcre. Jésus, regardez les larmes sanglantes de celle qui vous a aimé le plus sur la terre et vous aime le plus ardemment au ciel. Au nom des larmes et des douleurs de votre sainte mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre Sainte Mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre Sainte Mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre Sainte Mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre Sainte Mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre Sainte Mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre Sainte Mère et du précieux sang. Jésus, exaucez nos prières. Au nom des larmes et des douleurs de votre Sainte Mère et du précieux sang. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Ô Jésus, regardez les larmes sanglantes de celle qui vous a aimé le plus sur la terre et vous aime le plus ardemment au ciel. Au nom des larmes et des douleurs de votre Sainte Mère et du précieux sang. Ô Jésus, regardez les larmes sanglantes de celle qui vous a aimé le plus sur la terre et vous aime le plus ardemment au ciel. Au nom des larmes et des douleurs de votre Sainte Mère et du précieux sang. Ô Jésus, regardez les larmes sanglantes de celle qui vous a aimé le plus sur la terre et vous aime le plus ardemment au ciel. Au nom des larmes et des douleurs de votre Sainte Mère et du précieux sang. Ô Marie, Mère d'amour, de douleur et de miséricorde, nous vous implorons d'unir vos prières aux nôtres, afin que Jésus, votre divin Fils, auquel nous nous adressons au nom de vos larmes maternelles, veuille exaucer nos supplications et nous accorder, avec les grâces demandées, la couronne de la vie éternelle. Amen. Ô Marie, Mère des douleurs, vos larmes détruisent la domination de l'enfer. Par votre divine douceur, ô Jésus, enchaînez, délivrez le monde de la confusion et de l'égarement. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous.
Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Prions, nous vous supplions, Seigneur, que la bienheureuse Vierge Marie, notre Sainte Mère, dont l'âme a été percée par un glaive de douleur au temps de votre passion, intercède pour nous auprès de votre clémence, maintenant et à l'heure de notre mort. Vous qui vivez et régnez dans l'éternité du Saint-Esprit. Amen. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Prière, résolution et psaume du 34e jour dans le désert. Seigneur Jésus, je contemple ton cœur fort, libre, ancré sur ton Père. Mais j'y perçois aussi le poids de la souffrance qui t'attend. Devant ta passion qui approche, tu séjournes en compagnie de tes disciples. Ils sont tes amis, et même s'ils ne comprennent pas le tourment qui pèse sur tes épaules, tu cherches en eux un soutien et un réconfort. Seigneur, je voudrais que mon amour et ma proximité pendant cette semaine sainte qui approche te soient une consolation. Amen. Résolution. En ce 34e jour dans le désert, nous allons pratiquer le jeûne de l'égoïsme. Aujourd'hui, je vais oublier ma maladie, je vais oublier mes tourments, mes problèmes, pour visiter quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a besoin de ma présence, de mon support. Merci Seigneur Jésus, merci. Jésus me t'aime, mon témoignage. Jésus t'aime, mon calvaire. Si chaque jour m'a soupiré, m'a cherché côté où y est. Si chaque jour m'a soupiré, cherché des livres. Cantique, Jérémie 31, les versets 10 à 13. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines, celui qui dispersera Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, il l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion, ils affluent vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble, je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Méditation du pape François.
Dans l'Église, on trouve la consolation. L'Église est la maison de la consolation. Là, Dieu désire consoler. Nous pouvons nous demander, moi, qui suis-je dans l'Église? Suis-je porteur de la consolation de Dieu? Est-ce que je sais accueillir l'autre comme un hôte et consoler celui que je vois fatigué et déçu? Même lorsqu'il subit des malheurs et des fermetures, le chrétien est toujours appelé à répandre l'espérance en celui qui est résigné, à redonner courage à celui qui est découragé, à porter la lumière de Jésus, la chaleur de sa présence, le réconfort de son pardon. Pape François, 1er octobre 2016. Prière de sacrifice et de pénitence. Ô Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur, pendant ce carême, je veux m'unir à vous, priant et jeûnant au désert, à vous qui avez voulu souffrir et vous humilier pour moi. Par votre solitude et votre silence, détachez-moi des créatures et attirez-moi à vous. Par votre faim et vos privations, ouvrez-moi à vos grâces et dilatez mon désir de vous. Par vos tentations et vos souffrances, fortifiez-moi dans mes combats. Et par votre retour en votre vie publique, apprenez-moi à vivre avec vous et en vous, afin que dans le monde et les épreuves, remplies de vous et de votre vie, je ne rayonne que vous et votre joie. Ainsi soit-il. Je t'aime tant. Seigneur, je t'aime tant, mon Dieu libérateur, je t'aime tant. Moi, mais où, grand maître, moi, mais où, bon Dieu qui libère. Je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant, notre Dieu, notre libérateur, notre Sauveur, qu'il nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je t'aime tant, Seigneur. Je t'aime tant, mon Dieu libérateur, je t'aime tant.
suis vous. Grand maître, ma paix suis vous. Bon Dieu, qui libérez.